La chaleur, le buffet ici, ça vaut le coup, hein. Mais c'est très bon, on va goûter là. Donc aujourd'hui je suis avec Binta qui fait aussi des vidéos, je vous mets son lien juste ici, je vous conseille d'aller voir. Elle fait des vidéos un peu lifestyle et tout, ouais, c'est ça, non? Ça, c'est ça. Donc là aujourd'hui nous allons à Sandaga, nous allons faire ce qui est street food. Donc en français en gros c'est la nourriture un peu de la rue mais on va dire marchand, etc. Et on aura juste 10 000 francs pour la journée et on va voir qu'est-ce qu'on peut manger avec, 10 000 francs. Ouais. Donc on va un peu découvrir la nourriture sénégalaise, etc. Moi j'ai hâte. Bon chez Boudjoune. Voilà, c'est ça. Et on vous amène avec nous, donc c'est parti. Let's go. Tu vas prendre quoi? Elle dit qu'il n'y a pas le rouge. Et moi j'aime trop le rouge, le blanc j'aime pas du tout. Je prends le ça. Ok, il y a ça aussi, c'est bon. Là-bas, on a pris du jus de guitare. Mm-hmm. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Avec un elle l'a fait, elle mange direct. Là, on a pris le yassa. Je suppose que tout le monde connaît le yassa. C'est du riz blanc avec du poulet et la sauce oignon là. On va voir s'il y a quand même des crudités donc avec des concombres, la carotte et les poivrons. Tout le monde connaît le yassa. Et ils ont d'autres plats aussi. Ils ont le chef, ils ont le mafé, le sukanja, mais. Le chef blanc, c'est pas trop bon. C'est ça. Ça nous fera ça. Bon, on vous laisse, bon appétit. On vient tout juste de terminer avec comment ça s'appelait Chez Miyagis, voilà, le restaurant Chez Miyagis. C'est dans le marché de Sandaga. Voilà, et là, on va aller manger quelques brochettes, des trucs comme ça. Bon tia. À ce qui paraît, c'est très bon. Elle est déjà partie manger, donc elle va me faire goûter. Ouais, je vais la faire goûter. J'ai hâte de voir. Let's go. On va que faire grossir dans cette vidéo, vraiment. La chaleur qui fait ici, ça en vaut le coup, hein. Mais c'est très bon, on va goûter là. Ah ouais. Donc là, on a des. C'est quoi? C'est la viande. Oui, c'est viande de quoi? Viande de snoodle. Ça, c'est la viande kanka. Kanka. Kanka, oui, je connais. Au Nigeria. Oui, je me rappelle. Kanka. Après ça c'est quoi, piment? Oui, ça c'est le piment. Attends, ça c'est cancan. Et ça? Cancan en poudre. Ouais, ah, c'est pas le cani, hein? Non, c'est pas le cani, ok. Merci. On va aller boire un peu de jus de coco. Ouais.
J'aime trop le jus de coco, franchement. Ça fait trop du bien. Et là, j'espère qu'il y aura encore de la place. Je te suis. Avec le Madi qui vient là. Peut-être voilà. Que tu as écrit, donc là, on est toujours dans Sandaga, hein. Tout ça c'est dans Sandaga qu'on fait ça. Tout ça c'est en ville à Sandaga et vous pouvez vraiment trouver du tout en fait, ça qui vient. C'est ça. Et comme on dit en Wolof, Borom la mine d'ouvrir, quand tu viens, tu demandes c'est où on t'y a, c'est où ça, on va te dire. Voilà. C'est ça. On va voir one day. Ça va. Ça va. Ok. On vient de filmer, voilà ça. Donc là, on vient de prendre nos petits atayas pour digérer un peu. Et ça chauffe. Ça chauffe tellement. Ça chauffe. Déjà, il fait chaud. Imagine, il fait chaud, on parle, il fait chaud. On sort d'un endroit où il fait chaud. Ah non, il est bon. Ah ouais. Attends, t'as goûté. Oh, ça va, on voit que c'est le deuxième, c'est pas trop fort, ça va. Ouais, c'est pas trop fort. C'est bien. Vas-y. Ouais. Ah bon, mais vous. Voilà. Il compte mes soeurs. Merci. Du coup là on va quitter la ville, on va quitter le bruit et exactement, on doit aller vers la corniche où c'est plus tranquille, peut-être on verra le coucher de soleil, je sais pas. Ah oui c'est vrai, peut-être. J'espère. Et on va aller manger nos mads et nos cocos, tranquille. Devant la mer et tout, tu vois le truc, non? Dommage j'ai pas amené mon maillot, je te jure. Ah ouais c'est vrai. Aujourd'hui quand même. On a grave marché. Est-ce qu'on n'a pas perdu 10 kg? On a mangé mais on a marché. J'ai l'impression que ce qu'on a mangé là, c'est en train de partir. Ah ouais? T'as bien digéré. Non, on a marché plus de, je sais pas combien de kilomètres sans s'en rendre compte en fait. Là on a notre mad, le fameux mad là. Moi je savais pas qu'on allait en trouver un, mais là on a pu en trouver. C'est ça donc, parce que c'est pas trop la saison non. Ouais, là c'est en train de finir donc rare d'en trouver, donc on va goûter pour voir. Elle a fait l'honneur. Alors, on change. Alors. Ça va, c'est bien. Ouais, ça va. Donc le mad en fait c'est un fruit comme ici au Sénégal, je vous mettrai l'image et vous pouvez l'assaisonner avec du piment, poivre, sel, un peu de tout quoi. C'est trop bon. Les vrais ça, ils connaissent le mad. Ouais. Donc ça y est, c'est la fin de cette vidéo. On espère que vous avez aimé le street food du Sénégal. Il y a encore plein de choses à manger. Ouais. On a pas vu tout. Mm-hmm. Et voilà, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Binta. Et voilà, bien aussi. N'oubliez pas de liker aussi. Hein, et de laisser le petit commentaire, d'accord? Si vous avez des suggestions, je sais pas, ce que vous en avez pensé de la vidéo. Voilà, en tout cas, lâchez-vous dans les commentaires. C'est là, c'est fait pour vous en fait. C'est donc, ça. Voilà, lâchez-vous. Dites-nous vraiment si vous avez déjà goûté quelques street food ici, des endroits qui sont intéressants. Voilà, comme ça après on pourra aussi aller voir. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se dit à bientôt. Ciao. Bye. Vas-y. Abonnez vous. Voilà. Il compte mes soeurs. Merci. Oh, c'est gentil.